Bonjour à toutes et à tous, c'est Tyrone et on se retrouve pour la suite du mode carrière FIFA 16 avec Swandy en VPL. Nouvel épisode, alors je sais pas si on fera deux matchs aujourd'hui, mais le programme qui est déjà sûr et certain, puisqu'il y a quand même des transferts, c'est celui d'abord de commencer par United et Watford. On verra pour West Ham après. Bon, alors on m'a proposé encore trois petits joueurs, c'est bien gentil, c'est gentil, c'est gentil. Alors on commence par Char, très connu, hein, tout le monde le connaît, l'ami Char. Fabien Char, Fabien Char, Fabien Char, Char. Oh, bah alors, tu sèches. Bon, on va l'écrire complet. Fabien. Oui, Char, t'es passé où? D'accord, bon, alors, défense centrale. Centrale, nationalité. Suisse. Alors. Ah d'accord, c'est parce qu'il y en a... Ah oui, c'est vrai, les Allemands, ils font caguer avec leur écriture... Enfin, suisse, mais il est suisse. Je pense suisse du côté allemand. Vu comme c'est écrit, normalement c'est ça. Récemment arrivé de Bâle, donc on pourra pas l'avoir, mais on le met dans la liste prioritaire. Alors, maintenant, on va aller chercher, donc, je crois que tu m'avais proposé Mbolo. Alors, ton pseudo, je sais plus trop, désolé, excuse-moi, hein, comme d'habitude, à chaque fois, j'oublie. Brel, Donald Mbolo, ça doit être lui. C'est lui. Ajouter. Et le dernier. Le dernier, c'est Boetus. Ouh là là, ça va être compliqué. Bo. Jean-Paul Boetus. C'est lui. Jean-Paul Boetus, c'est sûr. Bon, on va voir. Bon, bah apparemment ça a l'air d'être lui. Bon, bah pourquoi pas. On verra plus tard. Merci beaucoup. Donc maintenant nous allons pouvoir avancer. On avait peut-être des transferts en cours. Donc je sais pas. On va voir ça tranquillement. Espagne, on va te faire voir. Alors, Angel Rangel. Ah bah voilà. Merci. Enfin. Oh bah super. On dit oui tout de suite. Je chipote pas. 1,7 million, on s'en fout, c'est pas grave. Celta Vigo. Fabianski, nous avons décidé de nous aligner dessus. Merde. Bon, bah on a perdu Fabianski. Bah tiens, t'as bien fait de me proposer des gardiens. Je sais plus qui, mais tu m'as proposé des gardiens. Merci. Tu viens de me sauver la mise. Tu viens de me sauver la vie. Merci, cher ami. Hein. Franchement, merci. Parce que là, tu m'as sauvé. Je crois qu'ils avaient dit, je crois que c'était à peu près bon, je crois entre 10 millions et 15 millions. Je sais plus, parce que là, il met 19,5, mais je sais plus le rapport. Je crois que c'était un prix un peu plus bas. Donc on verra pour Butland, parce que c'est le moins cher de tous. On y va. Alors, Leeds pour Marvin Emnes. 825 000. Bon, allez, casse-toi. Fabianski. Ah, tiens, tiens. 15,6. Comme l'autre, hein, je suppose. Bon, après, ça serait un peu con qu'il parte à Bournemouth, mais bon. On s'en fiche. Allez, on va faire le premier match de la vidéo. Ok. L'équipe A, bien évidemment. Peut-être donc le dernier match de Fabianski dans les buts de notre équipe. Je vérifie un peu tout. Oui, on y va. Quand il voudra, voilà. Bon, bon, bon. Alors, le mini-jeu. Ah, oh. Saoulant celui-là. Je l'aime pas ce mini-jeu. Non, je rigole.
Non, je le confonds avec un autre mini-jeu qui est similaire à celui-là. Oh là là. Olé! Magnifique, magnifique. Oh, dommage. Ouais! Perfecto! Génial! Super! Bon allez, Bonjour, Manchester merci United, d'être avec Swansea nous. City. On Dans va essayer d'écouter ce un petit peu petit quiz sport l'ambiance de l'équipe jusqu'au coup de sifflet préférée de, de enfin, coup de Manchester. sifflet pour le début du match. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi, un match extrêmement attendu. Oui, c'est une belle affiche. Tout est réuni pour que nous assistions à une très belle opposition. Lol. Lol. Les visiteurs vont pas faire peur car ils ont tout simplement la meilleure attaque du championnat. Ouais, merci de cette précision. Hein. La proposition de l'équipe de Manchester United qui s'affiche. L'équipe qui va s'appuyer sur un milieu assez dense à 5, défense à 4 et une seule attaque en pointe. Les joueurs de l'équipe de Swansea City. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec la ligne en losange. Franck, à quoi vous attendez-vous de leur part pour ce match à l'extérieur? Et donc c'est parti pour le premier match, un petit peu, bon, c'était sympa, mais sans plus. Mais bon, on est dans le théâtre des rêves, donc attention. Manchester United, c'est compliqué, premier match, c'est du lourd. Bon match à tous. S'avance vers la surface. En bonne position, il va pouvoir centrer. Oh, je suis passé! Aïe ou! Aïe ou! Non! Oh non! En plus, je crois que c'est Michou qui l'a envoyé balader le ballon. Non. Oh là, ça va. La première action. Attention! Jette Vach la frappe! Oh là 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 là! Dommage! Bon, premier. Première mi-temps difficile parce que bon United presse hein, ils sont forts enfin on voit la puissance et la qualité de l'équipe hein. Franchement c'est quand même chaud à défendre mais on y arrive pour l'instant. On a essayé d'attaquer, on n'a pas eu de bol. Jed Vage par exemple hein, qui a frappé et sa balle qui s'en va mourir sur la barre ouais enfin bon voilà quoi. Pour l'instant c'est dur dur hein, mais alors j'aime bien le jeu. Et la série du rythme parce qu'ils n'ont pas fait qu'un tir, ils en ont fait au moins 3-4. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends, j'étais un peu fatigué. Faudrait peut-être prendre quelques vacances, ça te ferait du bien. Allez, plus sérieusement, on va essayer de faire une meilleure deuxième période. On y va tout de suite. Oh, oh, Fabien, ce qui va nous manquer. Il va nous manquer, Fabien. Ah, et ben non. C'est dommage. Tant pis. C'est dommage. Ah, le bon espace. Oh, Fabianski va nous manquer. Faut pas faire attention à ce que dit Matou et tout ça. Des fois, ils sont un peu lents à la détente. Bien. Oh, c'est bien. Allez, encore. Encore. Eh ouais, mais il n'y avait plus personne dans les buts. Eh ouais, le temps que Fabianski se relève, il y avait but. Bon. On aura résisté 81 minutes, mais c'est logique. Hein. C'est logique que United marque. Totalement logique et c'est pour ça que ça me fait pas du tout rager, c'est normal. Voilà, ils ont eu de la chance quand même, mais Fabianski il était un peu trop loin du but. Pas le temps de revenir. Bon, bah, bien joué, hein. Bien joué. C'est Smalling qui marque. Mais bon, allez, c'est 15-0, mais bon, tant pis. Tant pis, on aura essayé, voilà. Et fin de ce premier match, bon, c'est un score logique. On aura essayé, mais c'est Manchester, c'est trop puissant pour nous. C'est pas grave, tant pis. Ouais, sincèrement, c'est pas grave, hein. Franchement, j'en tiens pas rigueur. Fabianski va vraiment nous manquer parce qu'il a fait un match énorme. Là, il a pas eu de bol sur ce but. Mais bon, je fais une petite ellipse et je reviens tout de suite.
Me revoilà après une bonne ellipse, on peut poursuivre l'épisode. Alors, Sadio Mané, invendable. Ça y est, Fabianski a été vendu. Stock, ah, sont un peu chiants. Voilà. Donc, après. Ah. D'accord. Bon, il va falloir le faire jouer pour qu'il puisse, pour qu'il accepte de rester. C'est une technique comme une autre. Joueur vendu, Angel Rangel est parti, c'est bon, parfait. On peut poursuivre. Alors, transfert accepté. Voilà. Un retour de prêt, celui de Adam King. Ok. Alors, King. Où est-il, King? King. Adam King. Ouais. En vente. J'ai vu Fulton. Qu'est-ce que c'est que ça? Chian aussi. Ouais. Chian en vente. Fulton. Ouais, il vaut 1 million. Ouais, on va le vendre. Et puis c'est tout. Allez, nous on va pouvoir continuer. Hop, papa, les entraînements, allons. Oh, malheureux, malheureux, les entraînements. Quand même, faut pas oublier ça. Bien. Amad qui passe 79 de général. Joueur vendu, Mnes, parfait. Alors, alors après c'est Jack Cork. Jack Cork, non, pas trop envie de le vendre pour l'instant. Il nous est bien utile pour le moment, donc pour l'instant il reste. Everton se discute aussi. 13,5 millions, vous êtes perdant. Voilà, les dotations, merci. Tiens, j'ai oublié de faire un truc qui est très important. Demande de fond. Voilà. On avance. Ah super. Et bah Butland il arrive pile poil. Il arrive pile poil l'ami Butland. Nouvelle recrue. Équipe A bien évidemment. Butland 117. À la place de Tremel. Qui normalement devrait être. Enfin on devrait le Quelqu'un devrait l'acheter quand même, non? Voilà. Oui. On a un gardien à potentiel, c'est très bien. Oui, oui, et la demande de fond. Ouais, bah, c'est mieux que rien, c'est bien. C'est mieux que zéro, c'est ça qui veut se dire. Bon, alors normalement on a réglé les derniers, les derniers transferts. Puisque maintenant c'est uniquement du vous m'achetez mon joueur, je le remplace par un autre. Puisque par exemple quand Michu sera parti, on le remplacera par un autre buteur. Pareil pour Williams, quand il sera parti, il sera remplacé par un autre. Donc maintenant, ce n'est plus que du remplacement et vendre les petits joueurs qu'on n'utilisera jamais. Bon, on va pouvoir donc faire le deuxième match. Ok, ok.
C'est donc c'est face à Watford. Watford. Non, non, on va rester avec l'équipe A, mais je dois faire jouer Shelby, qui puisse accepter son contrat après. Quel autre poste tu fais, toi, cher ami? Tu fais MDC, MOC, c'est très bien. Désolé, Mané, mais exceptionnellement, voilà. Il faut faire jouer Shelby pour qu'il change d'avis et qu'il accepte de rester chez nous. On y va. Enfin, quand le jeu aura décidé d'y aller, voilà. Comme ça, au moins, on pourrait garder ce joueur qui est un très bon remplaçant, un excellent remplaçant. Bah tiens, justement, ils font jouer avec. Ah, tiens, on m'avait parlé de la technique avec, pour passer en dessous du mur. Ouais. Peut-être frapper un peu plus fort. Ah ouais, ça fonctionne. Bonne idée. Bien joué. Hey! Ça fonctionne. Oh bah tiens, hey. Ah ah les salauds. Et bah ça rentre quand même. Elle a un cette fois-ci. Oh le vilain. Ah mais non. C'est pas sympa. Ah mais. Yes. Allez, ça va rentrer cette fois-ci. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. C'est bien. Et on a quoi comme note? D. Bon. Ça progresse, mais merci pour l'astuce. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis en pleine Swansea grosse City forme pour suivre Watford. ce match de Youpi. championnat avec vous. L'équipe qui Jed a fait Butland, sa son première premier match. victoire et ses grands débuts Et donc, c'est contre parti pour ce deuxième match de l'Union l'épisode. Match de BPL. Bon match à tous. Les joueurs de l'équipe Jed ont très mal. Vag. Ouais, c'est bien, c'est passé, Jed Vag. Oh, le bon gros tacle, hein, qui normalement devrait être bien Ça va être sanctionné. carton. Eh, monsieur l'arbitre, on se dépêche, on trottine et on sort la biscotte. Bon, ça va À la chercher une biscotte au petite balle beurre. dangereuse. Bon, Ouais, d'accord. le décor est planté. Pas de Alors, bien problème. entendu, L'abiade. Oh, les joueur qui grands. s'enfuit évidemment. Ah, L'arbitre qui vient dire peur. bonjour dans le mur qu'on ne la lui fait pas. Bon, ceci étant fait. Joueur qui s'enfuit dans son camp. C'est pas fini. Eder, allez, c'est passé. Eder, le but de Eder. Ouverture du score. Qui fait du bien, qui rassure. Ouh, eh ben, ça a été quand même compliqué hein, pour slalomer dans cette défense. De Watford, mais bon, on y est arrivé. Ça a été quand même pas si simple que ça. On a marqué, mais attention, Watford peut toujours se réveiller. Donc, il va falloir peut-être mettre un deuxième but. Mais bon, 1-0, c'est déjà bien. L'équipe qui joue le haut du tableau, Franck, c'est vrai qu'elle a fait. Attention, la frappe. Il allait Fou, tout simplement c'était pas éviter loin, le mais tir bon, du coup il de n'y a pas eu pied. besoin Mais c'est d'intervention sûr, de une Butland. occasion hein, qu'il ne faut pas rater. Et oh dommage, Gardien c'est corner bien normalement. dégagé. Et le ballon est Eh oui, sorti, ce sera un corner on du a coup. compris Matou, merci. Elle est Ah non. percutée sans problème par le Bon, gardien. Et la victoire première du coup mi-temps pour l'équipe sympatoche, de tranquille et Fabrice. mille, hein, mais bon, il va falloir essayer de faire mieux. Hein. Pas beaucoup de buts hein, dans cette Il première va falloir période, essayer de faire mieux Franck. parce que là Non, on c'est un essaie peu d'être un faible. peu sur notre fin à ce niveau-là. Il y aura peut-être C'est des un peu chances faible, sur mais cette bon. période pour essayer Après, ils d'accrocher défendent bien, hein, Watford. Ils l'égalité. défendent très très bien, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Il faut faire plus, il faut faire mieux. Il faut qu'on marque. Aston Villa qui fait match nul pour l'instant. Bournemouth qui fait la même chose. Chelsea qui n'a pas encore joué. Newcastle qui fait match nul. Et match nul, Southampton aussi. Bah dis donc, c'est la journée des matchs nuls, quoi. C'est pas bon signe pour nous, ça. Mais bon, allez, on va rester concentré, et puis on va essayer de faire une bonne deuxième période. Hein. C'est parti! Une multitude de passes, on cherche la faille manifestement. Oh,
D'accord, bah ouais, c'est comme sur fut. C'est comme sur fut, on s'est fait avoir, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bah ouais, hein, surtout qu'en plus là cette fois en fait c'était pas vraiment penalty, mais bon. Allez hein. Bien Butland, voilà, bravo. Premier match, première fois où il se sent et il est utile. Bim. Non mais. Allez, le corner, restez concentré. Bien Butland, très bien. Oh, c'est pas grave. Ayou, il est là. Oh. Oh non. Bah ouais, blessure de Shelby. Hein. On y retourne. Oh là, le gros tacle. Bah ouais. Ça va être pratique pour lui faire signer un contrat, tiens. Pardon, je fais que passer Sigurdsson. Non, dommage, c'était super. Oh. Fini. Ayou la frappe. Et le but d'Ayou. Le but d'Ayou. Quel but. Incroyable. Le gardien, comme Fabianski au premier match, n'a pas eu le temps de retourner au cage. Enfin, de pouvoir se mettre en position d'arrêt. On regarde là. Bon, pan, et ouais, c'est ça, il a pas eu le temps de. Il a même pas pu réagir carrément. Frappe surpuissante qui lobe tout le monde, et ouais, il pouvait rien faire le gardien. Bon, le ballon qui part. Le gardien lobé, ouais, il pouvait rien faire carrément. Il a même pas le temps de se replacer et même de faire quoi que ce soit. 2 à 0, excellent. Et fin de ce match, 2 à 0. Quel gros match! Ça s'est super bien passé. Et une première pour Butland. Génial. Une super première pour lui. Pour l'instant, le conseil est bon. Il va falloir. Bah, de toute façon, il va progresser. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est un excellent gardien. Et on a fait un bon match. Ah, ça y a eu des victoires. Alors, entraînement, bien évidemment. Pas fouf en avance. Alors. Bien. Alors, je regarde un petit peu. Amat encore un peu en interception. Dès qu'il est à 80, on changera son entraînement. Lugano, tout va bien tranquille. Jedvac, il progresse très bien. Ah! Que se passe-t-il? Retour de prêt, encore celui de Olivier Davis. Davis. Ah, je sais pas, mon écran il est. Il bug un peu là. Joueur blessé. 2 mois, ouais. Bon. Bah, finalement, on aura peut-être le temps de faire les 3 matchs. Ça va être un peu long, mais bon. Ce fameux petit joueur qui est revenu, il est ouf. David. Ah, mais c'est un gardien. Ah, d'accord. Bon, on va le vendre. Et bah, du coup, on va pouvoir faire ce troisième et dernier match. Shelby. Ah, ouais, c'est à cause de Shelby. À mettre Chad, tiens. Allez. Oui et oui. Et cette fois-ci, on va mettre l'équipe B, bien évidemment. Ouais, Mané supplé, puisqu'on sait que Traoré est encore blessé. Je regarde vite fait, ouais, c'est bon, c'est good, c'est bon, et ben on est parti. Enfin, quand le joueur... Oh, bon, ça a été rapide cette fois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme petit jeu?
D'accord. Oh, je l'aime pas celui-là. Allez, tu l'as! Ouais, mais d'accord. Lol. Oh, dommage. Dommage. Un bonus. Ouais, c'est moyen, mais ouais. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. On y est, demi-finale de la Bon. League Cup, Franck. Oui, c'est Eh une ben, on va essayer rencontre de faire un bon match, déterminante hein, un bon et match de stratégique coupe. pour ces deux formations se qualifier pour la finale. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier match de cet épisode. Un match de coupe de Capital One. Bon match à tous. Oh, c'est passé pour Barreau. Oh, dommage! Oh, dommage! Oh, Barreau, il est passé. Il est magique sur ce match, Barreau. Barreau, la frappe! Dommage, contré, c'est peut-être pas fini. Oh, Sigurdsson! Contré, c'est pour qui? C'est pour eux. Allez Simon, t'es parti, le petit Simon, il est parti. Allez Simon, Simon. Oh, le gros tac, c'est un rouge ça, monsieur. Anéantissement d'une action de but. Dernier défenseur, normalement, peut-être. Oh, gentil. Il est gentil, donc ça veut dire qu'il était peut-être pas en position de dernier défenseur, mais il a anéanti une action de but. C'était rouge ça, monsieur. Enfin, Il s'est un bref. peu laissé emporter hein, sur ce tacle glissé, on dirait. Oh, il jouait pas le ballon. Il jouait pas le ballon. Enfin bref, Sigurdsson. Et non. Salaud. Mi-temps 0-0. Bon, nette domination de ma part, mais on plante pas. Voilà. C'est un peu compliqué de se qualifier si on ne marque pas. On a eu l'occasion sur un penalty qu'on a lamentablement loupé. Vous voyez, hein, ils sont là pour défendre et faire contre-attaque West Ham. C'est dommage de faire ça, mais bon, après, il faut qu'on accentue la pression. Ça finira bien par passer au bout d'un moment. Enfin, je l'espère. Allez, on y va! Oh, bien joué, pardon, j'ai l'habitude, Nordfeld. Nordfeld. J'avais l'habitude avec Tremel, c'est Nordfeld maintenant, le gardien numéro 2. Bel arrêt. D'accord. Totalement immérité ce but, mais bon. Bien joué, hein. C'est une dégueulasserie. N'importe quoi. Gardien gêné. Ah oui, il pouvait rien faire, le gardien, il a voulu le boxer, mais gêné. Ah bon. 1-0, c'est pas. Enfin, si, ça l'est, mais bon. Je voulais qu'on fasse. Oui, tout le monde se gêne. Allez, peut-être l'égalisation de cette action. Oh, belle passe. Mais non! Et voilà, éliminé! Pff, non! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! 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 Sincèrement, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant d'être éliminé comme ça, de cette façon. De rien branler du match, West Ham, c'est incroyable. Le vol intégral. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais génial. Quel vol intégral, quoi. Sérieux.
Ah, ils ont eu de la chance sur le corner, ils l'ont saisi, voilà, bravo. Non, mais ça, on peut dire bien joué, ils ont eu de la chance, merci. Ah, mais qualification totalement volée de West Ham, mais bon, ainsi va la vie, c'est comme ça. Voilà, il y a des choses injustes qui se produisent, bah c'est comme ça, et on peut rien faire, et on peut rien dire. Mais bon, voilà. Il nous reste, allez, il nous reste la Emirates, enfin la FA Cup, mais bon, on doit affronter Chelsea, super. Ça fait chier. Ça fait chier, non, mais ça, là, franchement, je suis extrêmement énervé parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon. Voilà, hein, tant pis, hein, il était marqué qu'ils allaient avoir la chance de gagner, et puis c'est tout, hein. Il faut l'accepter. Qu'est-ce que t'as du con? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est ton âge et tes qualités? Zéro. Allez, salut, bonne chance. On a déjà avancé? On a déjà avancé. Allez, on va aller voir donc le calendrier de la prochaine fois. On va se changer les idées, on va penser à autre chose. Ah, mais c'est un match aller-retour! Ah, d'accord. Oula, pardon. Pardon, j'ai rien dit. Ah, j'avais oublié qu'à partir des demi-finales, c'était aller-retour. Ouh, excusez-moi, je n'ai rien dit. C'est pas une qualification volée, mais une victoire volée, pardon. On rectifie, rectification, victoire volée, mais pas qualification. Parce qu'il me reste le match retour. Et oui, et comme on était chez moi, le match retour, mon but compte à double. Donc ils l'ont dans les fesses. Enfin, je. Normal, enfin, si c'est bien ça, hein, si c'est pareil pour la Capital One, si c'est le même fonctionnement, si je marque à l'extérieur, ça compte double aussi. De toute façon, on verra. Mais il faudra absolument gagner le prochain match. Plus de 1-0. Ouais, voilà, c'est la condition. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc, on commencera par Chelsea en FA Cup. On se vengera en les laminant, je l'espère, West Ham. De. Hein? Ah, vous avez compris, on va pas en revenir 20 fois dessus. Puis Sunderland pour terminer, pourquoi pas. Et on se mettra là pour la fois suivante. Allez, on va aller regarder le rapport d'équipe. Normalement, il y a eu des petites évolutions, il me semble. Butland vient d'arriver, donc c'est normal, il bouge pas. Plus 2 pour Jedwadze. 77, c'est très bien. Plus 1 pour Williams. Papy reste en forme. Taylor progresse un petit peu. Plus 2 pour Labiad. C'est pas mal. Mané qui a plus 2, c'est bien. Plus 2 pour Michou avant d'être vendu, enfin je l'espère. Chan, plus 1, 76, c'est bien. Nordfeld qui maintenant va être gardien numéro 2, peut-être qu'il prendra un petit plus 1 au moins. Plus 1 pour Montero, 78. Naughton qui a les moins 1, mais ça c'était à cause de sa blessure, donc ça c'est normal. Bartley, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai placé, c'est bon, on s'en fout. Sigurdsson, 0. Plus 1 pour qui? Plus 2 pour Miguel, petit jeune qui progresse. Lugano qui lui prend un plus 6, mais bon, il fait tellement d'entraînement, lui aussi, c'est normal. Oh, il a pris un plus 14 en marquage et plus 14 en passe courte. Un truc de fou, quoi. Avila, plus 1. Bah dis donc. Plus 2 pour Sheehan, j'avais pas bien regardé. Plus 1 Handley. Plus 1 Traoré, malgré sa blessure. Plus 2 Barrow. Plus 4 Amat, quand même. Belle évolution pour Amat. Plus 2 Shelvey. Moins 1 Tremel, mais normalement, c'est quand ils veulent, on renouvelle la vente. Dyer, plus 1 toujours prêté. Plus 3 pour Goré. Plus 3 Biabi. Et voilà! Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura tout de même plu malgré ma petite colère à la fin. Mais bon, j'ai vu que c'était un match aller-retour, donc la prochaine fois on va se venger. Ils se prendront une bonne châtaigne dans la tronche. Ils verront ce que c'est de m'avoir énervé. Bon, et ben, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de la carrière avec Swandy! Auf Wiedersehen, et puis aussi goodbye. Goodbye, c'est mieux qu'Auf Wiedersehen. Goodbye.